Notre IV était la dernière région de France à ne pas être dotée de robots chirurgicaux. Depuis 2020, c'est chose faite. Le CHU de La Réunion a été pionnier, puisque en se tournant vers l'innovation technologique, notre CHU a fait l'acquisition de deux robots chirurgicaux, l'un à Saint-Denis et l'autre à Saint-Pierre. Il y a beaucoup d'avantages pour les patients. Une réduction de la durée de séjour, le patient reste moins longtemps à l'hôpital. Une plus grande précision du geste chirurgical, des cicatrices moins importantes et des douleurs post-opératoires qui sont réduites à travers cette technologie. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'indications chirurgicales qui nécessitent le recours aux robots et de plus en plus de disciplines chirurgicales qui sont concernées. La chirurgie viscérale, l'urologie, l'ORL, la chirurgie thoracique et la chirurgie infantile notamment. Le robot Da Vinci, globalement, il est constitué de trois éléments. Il y a le chariot patient sur lequel on va retrouver les bras qui vont se mobiliser lors des mouvements du chirurgien. Il y a la console chirurgien, là où je vais me positionner, là où je vais positionner les mains pour actionner les bras du robot. Et puis il y a la colonne centrale, le cerveau sur lequel on va retrouver toute la technologie de ce robot. Alors je me mets dans l'axe. Là c'est aussi dans l'axe. Lâche pas Marine, vas-y. Sors-le. Voilà, super. Vous voyez que la position du chirurgien elle est très confortable. Parce que le chirurgien est assis. Il peut conduire des interventions de plusieurs heures sans se fatiguer. Le patient aussi il a un confort, un bénéfice énorme dans le sens que l'impact des trocars il est minime au niveau de la paroi abdominale, ce qui se reflète aussi dans le post-opératoire. Les patients en fait ils ont moins mal et ça nous permet des sorties accélérées avec on révise de la fonction digestive beaucoup plus facilitée. Ouais. Pour pouvoir intégrer ces outils de haute précision, le CHU a dû créer de nouvelles procédures et former l'ensemble des équipes à leur application. Un projet d'envergure qui a mobilisé des moyens logistiques et financiers importants. Le robot est devenu un outil habituel des chirurgiens. Dans un bloc opératoire, il s'intègre dans une salle dédiée, car c'est du gros matériel qui ne peut pas être déplacé d'une salle à l'autre. Et les activités des spécialités qui ont besoin du robot sont intégrées sur cette salle dédiée. Au niveau de l'organisation des soins, évidemment, ça modifie un petit peu car les interventions sont souvent un peu plus longues. Donc pour nous, ça nécessite des réorganisations, mais qui existent à chaque fois qu'on a quelque chose de nouveau dans une spécialité. Hein. Tous les jours dans les hôpitaux, il y a des innovations qui modifient nos organisations. Et l'une des caractéristiques de l'hôpital et des gens qui travaillent à l'hôpital, c'est de s'adapter en permanence. Il y a une procédure qui est différente par rapport au stockage du matériel, par rapport à la stérilisation du matériel. Donc il fallait que tout le monde se coordonne pour que ce soit fluide et que ça fonctionne. C'est du matériel quand même de haute précision qui nécessite qu'il soit entretenu avec des procédures quand même très complexes. Donc ça nécessite aussi une organisation très importante de ce qu'on appelle les services support, notamment la pharmacie. Parce que ce qui est spectaculaire, c'est de voir le chirurgien opérer, mais il faut savoir que cela ne pourrait pas se mettre en place si on n'avait pas tous ces gens-là derrière qui s'assurent que ben, le jour J, le patient est opéré dans les meilleures conditions, que le matériel soit opérationnel, etc. Le bénéfice aux patients engendré par les robots lors de certaines interventions est tellement important qu'il a réduit considérablement le temps d'hospitalisation et permet même une entrée digne et détendue de ce dernier dans le bloc opératoire. C'est ça en fait le robot chirurgical. Il a quatre bras qui sont articulés, qui nous permettent d'installer des instruments dedans. La chirurgie robotique, c'était une des innovations qu'on a eues nous les chirurgiens. Et il y a quelques années, on a eu une deuxième révolution qui est la réhabilitation améliorée après chirurgie. Les deux ensemble ont permis de révolutionner notre prise en charge. On a adapté toutes les étapes de cette chirurgie pour un retour à l'autonomie précoce du patient. Donc c'est des mesures qui sont en préopératoire. Le patient, il est
proactif dans sa prise en charge en péropératoire. Donc il y a un protocole d'anesthésie qui est adapté, la chirurgie mini-invasive avec un robot chirurgical qui permet d'avoir moins de cicatrices, moins de douleurs, des résultats fonctionnels et oncologiques encore meilleurs, et en post-opératoire, donc de nombreuses mesures aussi qui permettent aux patients d'avoir une autonomie rapide. Le soir même, il va marcher, il va boire, il va manger. Le lendemain, il prendra sa douche, il peut sortir, il peut partir chez lui. Tout en étant sécurisé, c'est une sortie qui est sécurisée avec un télésuivi par les infirmières de coordination, une coordination en temps réel avec l'infirmier de ville, et au moindre problème, le patient est récupéré à l'hôpital. Opération terminée, le chirurgien, le docteur Fakfak m'a ramené dans ma chambre en marchant. Ça s'est bien passé, j'ai passé une bonne nuit. Le lendemain, le docteur est passé pour contrôler. Même dans la nuit, il est passé à 10h, voir si tout allait bien. Le lendemain matin, après la prise de sang, comme tout était normal, j'ai pu rejoindre mon domicile. Les équipes qui opèrent désormais à l'aide des robots concrétisent la volonté du CHU de proposer aux Réunionnais une médecine de pointe dont ils sont les premiers bénéficiaires. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux et nous contacter à l'adresse vitale@blablaprod.fr.